La société Manatech CZ est présente sur le marché depuis 1997. Originairement axée sur la vente des machines agricoles, la firme peu à peu a élargi son assortiment en fonction des besoins de ses clients, avec même des machines forestières, communales, ainsi que des engins de chantier. Actuellement, la société est l'importateur exclusif de machines de plus de 15 importants fabricants au monde et son réseau de vente est composé d'une cinquantaine de concessionnaires autorisés. L'objectif de notre société, siégeant au cœur de l'Europe, est d'offrir le meilleur matériel possible à des prix raisonnables, c'est-à-dire des machines destinées au travail réel. La qualité des prestations de services sous garantie et de services après-vente assurés pour tous les types de machines offertes, y compris l'approvisionnement rapide des pièces de rechange, est partie intégrante et courante des ventes. La société Manatech CZ n'est pas seulement une maison de commerce, mais aussi un partenaire fiable qui développe, construit et fabrique les constructions supplémentaires pour les machines forestières. Elle possède une expérience de longue durée dans ce domaine. Construction supplémentaire pour les machines forestières et les machines destinées au traitement du bois. Les constructions supplémentaires forestières Manatech CZ sont destinées à être agrégées aux tracteurs à roues de différentes marques. Les composants de base pour ces constructions sont les suivants. Des grues forestières basses, des grues forestières hautes, des treuils fixes de débardage de 3 points et directs, des protections forestières pour tracteurs agricoles. Les constructions supplémentaires pour les engins forestiers Manatech CZ peuvent être combinées selon les exigences du client, offrant des solutions techniques progressives et améliorant considérablement le fonctionnement du tracteur, aussi bien dans la forêt qu'en dehors de la forêt. Les avantages principaux des grues forestières basses sont: leur construction robuste rend tout le tracteur solide et résiste à la charge maximale lors de la manutention. Une distance aussi petite que possible des roues avant, une grue construite sur mesure en fonction du diamètre de roue, une lame de grue pouvant être utilisée dans les travaux relatifs à l'entretien des chemins, des conduites hydrauliques en tube d'acier. Tous les points de rotation sont équipés de gaines de protection en bronze. Sur demande, nous installons des amortisseurs de choc et un bras de maintien, une position de cylindre hydraulique assurant la force maximale de levage. Les avantages principaux des grues forestières hautes sont: un angle de rotation jusqu'à 200 degrés de la partie portante, une portée jusqu'à 4 mètres, charge utile à 2800 kg, une lame de lapelle qui atteint jusqu'à 70 cm sous le niveau du terrain, une grue télescopique ou à parallélogramme, une dépose rapide de la grue en 2 minutes. Nos cadres de protection rendent toute la construction du tracteur solide. Une construction unique assurant la plus grande résistance à la torsion et à la flexion. Une grue munie d'un renfort forgé transversal et de leviers forgés du système cinématique. Tous les tuyaux hydrauliques sont installés à l'intérieur de la grue. Un distributeur central permettant un mouvement précis et uniforme du bras de la grue sans sa propre torsion ou sans contrainte consécutive des cadres et du tracteur. Les cadres de montage Manatech CZ rendent tout le tracteur solide, de sorte que le renforcement supérieur supplémentaire crée une structure spatiale empêchant la rupture du tracteur. Et c'est justement cette caractéristique qui est standard sur toutes les grues Manatech CZ, à l'exclusion des tracteurs équipés de cadres de protection. Pour réduire la charge de l'essieu avant du tracteur, nous situons le centre de gravité de nos grues aussi près que possible du centre du tracteur. Un autre avantage consiste en la pose et la dépose facile sans jeu ni déformation des tourillons et des boîtes. Sur les agrégations fixes composées des treuils Manatech CZ, vous trouvez un treuil à double tambour, à commande hydraulique, avec frein à bande ou frein à lamelle. Une transmission à chaîne duplex de l'arbre de sortie du tracteur ou au moyen d'un arbre muni d'une boîte de vitesse d'angle. Une radiocommande pour treuil, y compris commande du régime moteur. Le centre de gravité du treuil aussi près que possible du centre de gravité du tracteur.
des poulies doubles excentriques avec des basculages correspondant à la tension de câble, une console de treuil fixée sur le tracteur aux endroits où le tracteur subit un effort de traction et non sur les portiques ou les demi-arbres de roues. Une force de traction de 4 à 16 tonnes en fonction du treuil et de la demande du client. Une pose dans la partie arrière du tracteur ou devant le tracteur. Un ensemble pouvant être combiné avec un bras de chargement hydraulique. Les treuils S plus R permettent l'agrégation d'arrière entre les passages de roues de l'essieu arrière, c'est-à-dire sans déplacement du centre de gravité du tracteur. Cette solution n'est pas possible dans le cas d'un treuil avec frein à bande. Les treuils S plus R se caractérisent par une petite perte de force liée à l'enroulement autour d'un tambour, seulement de 18 à 28%. Après l'enroulement de 100 mètres, le treuil dont la force de traction est de 6 kN présente même une force de traction égale à 4,2 kN. Les solutions alternatives sont des treuils forestiers LIV et Higland que le constructeur équipe avec des freins à bande. Il s'agit d'une solution technique fiable et connue dans le monde entier. Nos dispositifs de protection protègent aussi bien les parties inférieures que les parties latérales du corps du tracteur. Nous conservons toujours le réservoir de carburant d'origine. De cette manière, nous maintenons le volume et la netteté du système. Pour les réservoirs, nous protégeons non seulement la partie inférieure du réservoir, mais aussi ses flancs. Les solutions Manatec CZ protègent aussi les circuits pneumatiques et hydrauliques. Tous les points d'entretien restent accessibles par l'intermédiaire de capuchons amovibles. Pour traiter la surface, nous utilisons la cataphorèse et le vernissage. Le bouclier arrière est situé aussi près que possible des roues arrière du tracteur. Le système cinématique à 4 points est fixé sur le tracteur à l'endroit destiné par le constructeur pour ce type d'effort. Tous les points de service et toutes les sorties fonctionnelles sont protégés et bien accessibles. Chaque dispositif de protection correspond à la spécification du tracteur. Les solutions Manatec CZ offrent une protection parfaite contre les risques dus à la pénétration de branches. Indépendamment l'une de l'autre, différentes pièces démontables facilitent l'entretien sur le tracteur même. La grande supériorité de nos machines réside dans une solution brevetée de la commande hydraulique LCS que le client ne peut avoir que sur les grues forestières de Manatec CZ. Ce système a reçu le grand prix au Salon agricole Techagro 2010. La société Manatec CZ dispose d'une équipe de techniciens experts bien formés. Nos ateliers sont équipés de moyens techniques modernes. Nos prestations de services sont réalisées à l'aide de moyens et d'appareils diagnostiques afin que la réparation sur site de la machine soit rapide. Manatec CZ, c'est 7 jours sur 7, le service est toujours disponible. Grâce à notre propre bureau d'études et à l'utilisation du logiciel AutoCAD, nous sommes capables de construire sur mesure des constructions supplémentaires forestières pour chaque client selon ses exigences, les conditions de travail et les usages du marché. Nous sommes à l'écoute de nos clients, vos suggestions, désirs et commentaires sont les bienvenus afin que nous puissions les évaluer et les intégrer dans la production et la pose du matériel forestier Manatec CZ. Manatec CZ, des machines destinées au travail réel.